3h30 du matin, 4h de ça pour eux la journée. Ah, oh, ici vous dormez quand à 9h. Je me suis étonné. Tu sors même dans la vie, 6h, 8h, les gens sont allés dormir. Or, David dit, je dévance l'aurore. Je dévance. Eux, ils travaillent la nuit, ils ont programmé un incident sur ta vie. Ils ont programmé que d'ici 3 ans, tu n'auras pas de mariage. Ou tu t'en vas, tu ne vas pas voyager. Ça a été programmé. Toi, tu n'es pas levé pour te programmer. Tu es enfermé dans une prison. Or, eux, ils travaillent la nuit. Et pendant que toi, tu te lèves, à partir de 3h30 ou 4h du matin, tu commences à déprogrammer ce qu'ils ont programmé. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Parce que tu as ce pouvoir là. Tu as le pouvoir de la déprogrammation. Et leur pouvoir, c'est programmer les choses. Ils ont programmé les choses. Tant que tu n'as pas déprogrammé, tu t'inquiètes. Donc c'est ce que la Bible dit. Prenez Job. Job 38. Job 38, le verset 12 à 14. Vous êtes surpris que le sorcier a la victoire sur vous. Job 38, le verset 12 à 14. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Si vous n'avez pas une vie de prière, si vous ne vous réveillez pas vers 3h30 ou 4h du matin, quand tu te réveilles à 6h, 7h, 8h, c'est zéro. Ça n'a pas d'importance. Or, on dit, je dévance l'aurore. Il y a une heure, c'est ça qu'écoutez très bien. Vous êtes dans un pays musulman, islamique. C'est à partir de 3h, le musulman qui prie. Eux, ils connaissent ça. C'est à partir de 4h, ils commencent à prier, ils connaissent ça. Amen. Toi, tu gères, toi, tu as Jésus. Tu casses à 8h, tu pries. Eux, ils connaissent. Or, à partir de 4h, il y a la présence des anges. Vous allez demander à n'importe quel sorcier, le sorcier ne travaille pas après 4 heures. Non. Celui qui s'amuse, il reste là-bas. Et vous dormez. Oh, les musulmans, surtout ils sont prospères, parce qu'ils connaissent les heures. Ils connaissent les heures. Il y a des heures, stratégie de prière. Toi, tu dors. Là, mais tu montes côte. Tu montes côte. Mais déjà, quand tu vas dormir, tu sais, lui, là, il est en train de rouler, bulldozer. Vous ronflez. Eux se lèvent à 3h. Ils commencent à faire leur prière. Et toi, tu dis, tu as le royaume de Dieu avec toi. Toi, tu dis, tu es puissant. Tu es en retard. Or, à partir de 3h30, c'est là qu'on doit se réveiller pour commencer à déprogrammer ce qui a été programmé sur nos vies. Quand quelqu'un a cette vie de prière, tout ce qu'il fait marche. Job 38, le verset 12 à 14. Depuis que tu as dit. Regardez, Dieu dit, depuis toi tu existes, toi chrétien. Et tu dis, ne crédit pas la langue. Depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé à l'aurore? Tu as une fois parlé au matin? Tu as une fois dit quelque chose au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as monté la place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. C'est clair. Et que les méchants. Secoué. Amen. Faut t'asseoir. Amen. Est-ce que tu as monté à l'aurore sa place? Est-ce que tu as commandé à l'aurore? Est-ce que tu as dit quelque chose? C'est là tu trembles, tu ne pries pas. Il dit, mais est-ce que tu as une fois commandé? Est-ce que tu as une fois parlé à l'aurore? Et j'ai un pouvoir. Et j'ai un travail qu'il faut, le travail la nuit. Le pouvoir de la programmation. Amen. Amen. Elle dit, dans la nuit, pendant que je dormais, dans la nuit, la fête femme a pris mon enfant. Amen. Amen. Pendant que toi tu dormais, quelque chose s'est passé dans la nuit. Et toi tu es là. Et tu ne fais rien. Or, je vous dis une chose aujourd'hui. Jésus a tout, nous a donné le pouvoir. Il ne viendra pas combattre à notre place. Jamais. Il dit, à mon nom, vous chassez les démons. C'est vous qui allez chasser les démons. Pas moi. C'est vous qui chasserez les démons. C'est vous qui allez combattre. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est vous qui allez combattre. Vous savez que celui qui se réveille à 4h du matin, celui qui possède les portes de la journée. Amen. Amen. Elle dit la nuit. Pendant que je dormais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu le troc. Quelqu'un est venu me chipper ma bénédiction. Quelqu'un est venu te chipper quelque chose. Pendant que toi tu dormais, quelque chose s'est passé dans ta vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est le temps de se réveiller. Or, il travaille la nuit. Elle allait cette femme, pendant qu'elle dormait, pendant que c'est parce qu'elle a eu de vigilance, peut-être. Elle a eu le discernement. Sinon, les enfants se ressemblaient. Dès le nouveau-né. Elle a regardé. Amen. Amen. Toi, qu'est-ce que tu fais?
quelque chose, le diable a chipé quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu fais? Elle n'est pas restée la muette en train de pleurer, mais elle est montée à Jérusalem, la cité des rois. C'est à Jérusalem que se trouve la cité des rois. Elle était convaincue qu'en allant à Jérusalem, elle pourrait avoir gain de cause. Elle était convaincue que Jérusalem, le roi. Or, nous avons pour roi Jésus. Dis amen. Amen. Alléluia. Elle allait se plaindre près du roi. Parce que quelque part dans la nuit, quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous conseille. Je continue de vous conseiller la vigilance. C'est très important d'être très vigilant. N'amenez pas n'importe qui sur votre toit. Amen. Amen. Je viens de chasser une jeune fille en qui je me suis investi. Cette petite fille, elle a fait la prison à cause de la sorcellerie. Oui. Or, moi, je tentais de l'encadrer. Dans le but de... Elle est en prison. Comment on l'a envoyée pour la délivrer? Et elle a été délivrée. Et puis, j'ai dit à les parents de l'amener. Ils l'ont fait partir. Et puis, du coup, je l'ai dit à Zaroko. Elle avait un enfant en main. Et puis, j'ai dit, pourquoi elle était interdite de séjour sur son territoire, dans son village? Parce que elle avait déjà tué des gens. Elle a tué son propre père. Elle a tué sa sœur. C'est pour ça que c'est toujours en prison. Moi, j'ai décidé de prendre cette fille et de faire une autre image à cette fille. J'ai même cherché une famille, j'étais en train de chercher une famille d'adoption pour nous, la France. Donc, il fallait qu'elle vive sur mon toit pour connaître son caractère, pour ne pas qu'il donne un cadeau empoisonné à quelqu'un. Mais oui, il ne faut pas dire, ah non, 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 tu donnes un cadeau empoisonné. Donc, j'ai décidé d'encadrer cette fille. Or, dans notre France, on dit, ah, vous savez, quand vous vivez une personne qui ne vous aime pas, c'est-à-dire quel que soit l'amour que vous manifestez à cette personne, elle finira par vous sauver. Vous détourner. Moi, je l'aimais. La jeune petite fille là que vous voyez, la petite. Sa pommade, c'est 30 000 francs. Oui. Elle ne payait rien. Je lui donnais 20 000 francs tous les fins du mois. Elle ne payait rien. Elle avait une servante. On avait tout chez moi. Chez moi, il y a tout. Elle mange tout. Je la mettais au beurre. Ses amis m'est venus de la France. Ceux qui viennent nous rendre visite, viennent de la France. Comme ma père, je viens te rendre visite. Je lui ai envoyé les enfants. Elle était comme ma fille adoptive. Or, les gens commençaient à me guetter. Et c'est elle qu'ils ont eu comme porte de tuer. Oui. D'abord, j'ai commencé à l'approcher. Il y a des gens qui ont commencé à l'approcher pour avoir des informations sur ma maison. Oui. C'est comme ça, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Moi, j'ai vécu une expérience que je suis allé partager avec vous. Parce qu'on est amour, on a envie d'aider les gens, malheureusement. Nous sommes en train de nous prisonner nos propres tombes. Une fois, je l'ai surprise en train de faire des conneries. Elle qui est chez moi à la maison, elle allait coucher avec les gens. Une fois, je l'ai surprise en train de faire ça, c'est la vie. J'ai tenté de la rééduquer. La servante, elle a envoyé mes copains parce que moi je voyage beaucoup. Quand j'ai su ça, j'étais obligé de chasser la servante qui était là, de partir parce que j'étais en train de donner une éducation à ma fille adoptive, cette fille. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'elle-même n'est pas sur le point de changer. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le boutiquier du quartier qui est devenu son copain. Là où ça, ça fait mal, hein? Un monsieur bizarre. Même si on a envie de faire, regarde tous les regards, il ne sert à rien. Elle va continuer, mon proche chauffeur. Vous voyez, quand quelqu'un ne veut pas changer, là, vous ne pouvez pas changer la personne. Non, la transformation, c'est une question de volonté. Non, c'est volonté. Qui fait le boutiquier? Ça arrivait à mon chauffeur. Un brout à côté. Oui. Un brout à côté. Oh, il y a un monsieur qui me guette. J'ai une famille qui me guette, qui cherche à me tuer. Ils ont même dit qu'ils allaient me détruire. Elle allait faire une alliance avec le jeune homme. C'est l'enfant de cette femme-là avec laquelle la fille la sort maintenant. Wow. Donc, ils lui ont donné un portable. D'abord, les gens appelaient. Moi, j'ai pris le portable et moi, j'ai vu. Je vois les testos d'Isaïe pour te délivrer. Donne-moi le portable. Tu n'as pas besoin de portable. Quand tu vas quitter chez moi, tu vas aller ailleurs, tu veux un portable. Donc, j'ai envie d'éduquer. Or, elle a un portable discrètement chez nous à la maison. Ils ne savaient pas qu'elle avait le portable. Donc, elle avait toutes les informations. En même temps, à côté de chez moi, les personnes qui sont en contact avec elle ont demandé quel est le contact de mes voisins. Or, moi, chez moi, là, moi, je ne connais pas les voisins. C'est vrai qu'on se dit bonjour, bonsoir, je ne vais jamais m'asseoir, c'est un voisin. On lui dit, parce que c'est dangereux d'aller aligner une amitié avec les voisins. Là, on parlait de quoi? Moi, j'ai fini, il y a mon église. On parlait de quoi? Les voisins veulent que je prie pour eux. Et puis, ça s'arrête là. Je vais chercher à tous se familiariser. Ils vont chercher à savoir ma vie. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Or, c'est ce qu'elle faisait dans le quartier. Mon voisin, juste à côté, avec tout elle. Donc, quand je ne suis pas là, les personnes qui étaient en train de me guetter. Parce que moi, ma vie est toujours exposée. C'est ma vie. Il y a des gens qui cherchent toujours à me détruire. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir des informations. Le prophète, il rentre à quel moment?
Il avait qui à la maison? Il fait quoi? Et quoi? Et quoi? Or, Dieu m'a déjà averti que chez moi, à la maison, vous allez un jour m'empoisonner. Oui. Moi, j'étais déjà victime de 3 fois d'empoisonnement. 3 fois. Ça ne rentre pas, il vomit ça. Ça vous fait bizarre? La Bible même dit poison ne va pas me tuer. Amen. Donc, j'étais déjà averti. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir le discernement. Mon esprit a commencé à s'ouvrir. Doucement. Et puis, il y a ma servante. J'ai une servante que j'avais. Elle a décidé de partir faire une formation. C'est là que toutes les informations sont sorties. On coince la jeune fille, effectivement. Je prends un portable avec elle, j'ai le portable. Effectivement, j'avais des personnes à Koutou qui étaient en train de me détruire à petit feu en complicité avec cette jeune fille. Après, moi, je me suis investi. Corps et âme. Chaque jour, je pense comment l'aider. Quand j'ai su ça, j'étais obligé de la chasser. Amen. Amen. Vous avez très compris. Elle dit, la femme, nous vivions ensemble sur le même toit. Nous vivons ensemble sur le même toit. Et la nuit, elle n'avait pas eu pitié. Pensez comment cette femme a rendu service. Celui qui veut t'avoir, c'est celui qui vit sur le même toit que toi. Amen. Il finira par t'étudier, il finira par te détruire. C'est Juda qui a livré Jésus-Christ. Quand j'ai su ça, non, tu sais, il dit moi. Vous savez, vous n'avez pas, c'est pas vous qui aimez plus que Dieu. Moi, je suis amour. Elle et moi, on ne marche plus ensemble. Elle quitte chez moi. Elle ne restera même plus au centre. Elle restera, c'est sa mère. Maintenant, si elle a envie de faire venir faire église, elle viendra faire église. Parce que on ne fait pas ça à une personne qui nous a rendu service. Amen. Frère, faites très attention à votre entourage. Ton ennemi n'est pas loin. L'ennemi, là, il n'est pas loin. Or, eux, ils sont à la recherche d'une information. Vous savez que c'est à partir des informations qu'on détruit les gens. La plus grande nation au monde qu'on appelle les États-Unis. Ils ont le plus grand service de renseignement au monde. Obama disait comme ça, lui, avant de commencer à travailler, il a 2 heures du temps pour avoir toutes les informations sur le monde entier. Avant de commencer à prendre les services. Or, le diable va commencer à avoir des informations sur toi. Il va utiliser les hommes de votre maison. C'est pour ça qu'il va être convaincu que celui qui vit sur le même toit que toi et avec toi, et la personne a la même vision que toi, la personne peut te faire avancer. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un qui ne peut pas me faire avancer. Je suis désolé. Amen. Amen. Je marche à la personne qui peut me faire avancer. Parce que moi, la vie des gens ne m'intéresse pas. Or, si toi, tu cherches à creuser ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va me détruire. Or, je connais les personnes. Je les même rendu service à ces personnes. Ces personnes se retournent contre moi. Je mange quoi? J'ai fait quoi? Qui fait quoi? Qu'est-ce que les gens cherchent en réalité? Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'ils font chez eux. Comment ils vivent leur vie? Moi, je vis paisiblement ma vie. Pourquoi moi, ma vie les intéresse? Amen. Amen. Mais Dieu de justice me rendra un jour justice. Amen. Dieu me rendra un jour justice. Amen. Amen. Donc faites très attention. Ce n'est pas une question de sentiments. La Bible dit que si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper ça. Amen. Il faut détruire. J'ai dit, je t'ai oublié de me séparer de cette fille. Malgré tous les moyens qu'on a mis dans sa vie, on a tout fait pour qu'on la libère aujourd'hui. Ils ont signé sa lettre. Elle était libérée de la prison. J'ai eu un travail. Oh, cette fille n'était pas avec moi. Sinon, on m'aurait dit qu'il y a telle personne qui cherche à avoir des informations sur toi. Mais elle a cherché à composer avec mes ennemis. Vous comprenez? Elle a cherché à composer avec mes ennemis. Le diable, pour t'avoir, il va chercher une porte. Il va chercher quelqu'un. Quelqu'un chez toi, à la maison. Quelqu'un. Sur ça, la dame dit, cette femme, nous vivons sur le même toit. Amen. Amen. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit un parent de proche qui ne compose pas ta vision, ce n'est même pas la peine de faire une affaire avec cette personne. Parce qu'elle va te renverser. Amen. Amen. Elle va te renverser. C'est ça qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Celui qui veut sur son toit, là, celui qui est mieux placé, celui qui vit dans ton intimité, qui peut te détruire. Même dans ma chambre. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans ma chambre. Je sais que moi, chez moi, pour être servante, c'est qu'il était bien passé au scanner. J'étais bien scanné. J'ai bien regardé. Il n'y a pas les gnani. Je dis bien la même. Nous négligeons tout. C'est ça qui nous mourons facilement. J'ai pas de choses. Ne négligez rien. Là, on peut perdre une fraction de seconde la vie. La vie, vous voyez là, elle est tellement précieuse. Qu'une fraction de seconde, tu peux la perdre. Quelqu'un vient, tu ne sais pas qui l'est, puis il rentre dans ta vie. Moi, je ne permets pas n'importe qui rentre dans ma vie. Vous voyez, les gens viennent comme ça, du coup, ils rentrent dans votre vie, boubou, ils s'installent.
Et puis du coup, vous avez l'impression que vous êtes devenus amis, comme si... Non, doucement. Doucement. On dit amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à cette femme. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle n'a rien compris dedans, comme son cœur était bon. Elle a vu une femme aussi qui était un problème, prostituée comme elle, qui était en détecte, n'avait pas de maison. Dja, c'est son totem, elle l'a envoyé dans la maison. C'est la femme qui a commencé à la détruire. Détruit sa vie. Amen. Mais heureusement, elle avait une révélation. Elle est montée à Jérusalem. Elle dit ça là, je n'aime pas ça. Amen. Amen. Pour cette histoire qui se passe dans ta vie, il ne faut pas laisser ça. Oui. Nous allons monter cette nuit, ce soir là, à Jérusalem. Amen. Et vous savez que Jérusalem, c'est là la cité des rois. Il faut que le roi nous rende justice. Amen. Ce qu'ils ont volé là, que Dieu nous les restitue au nom de Jésus. Amen. Il doit nous restituer nos mariages. Amen. Il doit nous restituer notre argent. Amen. Il doit nous restituer nos voyages. Amen. Oui, tout doit venir. Amen. Nous allons monter à Jérusalem. Nous allons monter à Jérusalem. Amen. Amen. Je vous suis donné un secret. J'ai dit, c'est dans la nuit que le diable travaille. Mais sauf cela, vous, en tant que chrétien, frère, à partir de 3h30 du matin, commencez déjà à avoir une vie de prière. Amen. 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 Commencez déjà à avoir une vie de prière. Amen. Vous savez, la journée est caractérisée par ça. Non, je suis chrétien, d'autres n'ont le prophète. Non, je vous dis une chose, si vous négligez votre vie de prière, tout ce qu'ils allons faire dans vos vies se renverse. Oui. On va pas prier pour vous. Si vous-même n'avez pas cette culture d'une vie de prière, mais c'est zéro. Amen. Non, j'ai des problèmes, ok. Mais vous parlez, on dit l'aurore. L'aurore à partir de 4h, 3h30, c'est l'aurore. Je sais que les musulmans, ils jouent pas ça. Ils se lèvent, on les prie. Oh, à partir de 4h, c'est les heures des anges. Vous demandez à n'importe quel sorcier. Non, à 4h, j'arrête de travailler. À partir de 4h, tout s'arrête dans le monde spirituel. Tout s'arrête. Maintenant, c'est le système de Dieu qui est en place. Le système. Tout s'arrête parce que les portes commencent à s'ouvrir. Amen. Amen. Et si toi tu dors, c'est pour toi qui passe. Et si j'ai l'impression que vous dormez beaucoup, 6h, 7h, jusqu'à 8h, oui, dans le lit, à 8h. Or, le chrétien doit avoir une vie de prière. Amen. 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 Le chrétien doit avoir une vie de prière. Faites l'expérience. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi à partir de 3h30. Fais un effort. Ça ne sera pas facile dès le début. Tout début n'est pas facile. Vous allez voir quand l'horloge va commencer à sonner. Vous allez regarder comme ça. Et puis le Seigneur va dire dors. Amen. Amen. Mais vous savez, la Bible n'a jamais dit, je te donnerai le courage. Il dit, prends courage. Il a dit à Jésus, mon serviteur Moïse est mort, mais prends courage. Prenez courage. Regardez la situation. Dites-vous que si vous ne priez pas, c'est dangereux pour vous. Moi, je ne sors pas de ma chambre sans que je n'ai prié. Non, je donne une importance tellement à la prière que le diable a fini par comprendre que c'est une arme. Vous voyez que c'est une arme pour nous, en tant que chrétien. Si vous ne priez pas, c'est dangereux. Or, la spiritualité aura de la négligence. Et c'est cette négligence que le diable envoie dans votre vie. Vous faites en sorte que vous ne donnez pas trop d'importance à la prière. Et puis doucement, les choses commencent à se dégrader. Dégrader, puis paf, tout est détruit. Et vous avez que les larmes pour pleurer, vous courez après les serviteurs de Dieu. Pourtant, vous pouvez régler, c'est un problème. Amen. Amen. On dit amen. Amen. À partir de 3h30 du matin, c'est là que vous devez vous réveiller. Comme l'apôtre David pouvait dire, je dévance l'aurore. Amen. Psaume 119, le verset 147, je dévance l'aurore. Et dans le psaume, dans Job 38, à partir du verset 13 à 14, il dit, tu n'as même pas commandé au matin, tu t'es plaint. Or, vous savez qu'à partir du matin, si aujourd'hui, je me lève à 3h du matin, je dois parler à la journée. Journée, trois journées, tu dois m'apporter la bénédiction. Amen. Amen. Trois journées, tu dois m'apporter la grâce. Toi, la journée, tu dois m'apporter la bénédiction. Alors, on dit, la Bible, c'est qu'un homme dit, c'est ce qu'il arrive. Amen. Or, la parole est une sémence. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est une journée. Ils ont déprogrammé, ils ont programmé. Toi, tu as détruit la programmation. Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est ce que toi, tu dis là que l'ange prend en compte. Et puis, le roi transmet ça à l'aurore. À la journée. Amen. Amen. Je veux telle chose au bout de la journée. C'est ce qu'il dit. Journée, là, les oreilles. Journée doit m'apporter ça. Il y a la programmation d'accident. La journée, où il y a tout le choses qui peuvent arriver. La mort, l'accident, les fausses accusations. Tu peux te retrouver en prison parce qu'on apporte une fausse accusation sur toi. Or, ça a été programmé par les démons pour t'humilier. Mais comme tu n'as pas déprogrammé, bam, ça détruit ta vie. C'est pour ça que vous ne devez pas jouer. Vous devez donner beaucoup d'importance à la prière. Donc, on se lève à 3h du matin. D'abord, la première action qu'on fait, on déprogramme. Quand vous levez le matin, levez-vous. Amen. Amen. Et vous mettez la position du lit là. Arrêtez ça. Arrêtez.
Vous savez que le lit qui est là, là, ça sommeil dedans. Amen. Le corps sait qu'en touchant le lit, tu dois dormir. Donc quand vous asseyez sur le lit, vous allez voir que vous allez commencer à bailler. Vous n'allez pas avoir vu les prières. C'est pour ça que moi, quand je me lève, je me mets, je me prosterne. Amen. D'autres peuvent se lever, mais moi je me mets en genoux. Parce que je me dis, je peux passer 3 heures en genoux. Je me dis, Jésus, il est le roi. Je n'ose même pas m'asseoir parler. Je dois me prosterner devant le roi. Je dois m'humilier devant lui. Et quand c'est comme ça, vous êtes en éveil. Amen. Mais quand vous êtes assis dans des positions bizarres, d'autres mains sont dans le lit, puis prient. Ce n'est pas une bonne position de prière. Puis tu lui demandes, je prie, mens. Tu dois quitter, tu dois te mettre en genoux pour prier. Amen. Amen. Quand on s'élève, on commence à prier. D'abord, il faut commencer à détruire toutes les réunions prises contre, les décisions prises contre toi. Que tu veux ou pas, j'ai une réunion que les gens font sur toi. Et vous savez que quand un sorcier dans votre famille, eux, ils regardent ce qui doit prospérer. Ils ont toutes les informations. Hein. Quand tu dois voyager, ils ont des informations. Donc chacun envoie une information de sa famille. Et puis ils regardent. Tu n'as pas pu détruire, ok, donc je t'envoie, comment je n'ai pas marché, je t'envoie détruire cette personne. Donc il y a des programmations faites chaque jour contre toi. Amen. Amen. Alors quand tu te lèves la nuit pour prier, toi tu déprogrammes. Tout ce qu'ils ont fait, la journée à 10h, tu dois faire accident. Toi tu te lèves pour dire non, il n'aura pas lieu, l'accident n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, je déprogramme l'accident. Immédiatement, ça se déprogramme. Amen. Parce que si n'est pas déprogrammé, ça va arriver. Il dit tout ce que tu lis sera. Tout ce que tu délies sera délié. Tu n'as pas délié. Et toi, tu es surpris qu'aujourd'hui il y a accident. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est mélangée. Toi, tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas délié. C'est tout. C'est ça le problème. Or, Christ nous donne le pouvoir de délier et de détruire le royaume des ténèbres. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Bannissez de vos vies la négligence. Vous avez le monde entier entre vos mains. Amen. Je vous assure. Quand vous déprogrammez, vous devez programmer. Moi, au cours de cette journée, je dois avoir du travail. Ouais. Je programme le travail. Mon mari bizarre qui est là, et puis je ne cherche pas à savoir comment on fait pour avoir sa femme. Là où il est, même si les États-Unis n'ont qu'à venir me chercher. Au cours de cette journée, je dois avoir l'argent. L'argent, c'est important. Combien? Hein? Je dois manquer l'argent, les démons vont venir sur toi. C'est vrai? Amen. Amen. Les gens disent non, l'argent c'est pas. Si l'argent n'est pas bon, Dieu n'est pas. Dieu n'a pas. J'ai allé jeter l'argent. C'est très important. Or, quand tu n'as pas ça, les pensées qui viennent dans ta tête là, c'est pas petit. C'est là que tu vois les gens bizarres, les Marocains. Ouais, c'est ça. Les jolis, de quel pays? Mon ami. À quoi il appelle? Cassant, dirham. Tes yeux commencent avec clan. Mais 500 dirhams. Ça fait combien, c'est pas? 500. Oui. Oui, c'est bon. Hein? Et 100 dirhams. Ça fait 6000. Et 1000 dirhams. Ouais, 1000 dirhams, viens, 1000 dirhams. Tu vois, que 1000 dirhams là, ça peut payer poisson, ça peut payer les truies. Or, la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ne disais jamais ne manquerai de rien. Moi, je conjure ça au présent. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Dieu n'attendra pas demain. C'est pour ça que je n'aime pas la version qui conjure ça au futur. J'aime cette version qui conduit au présent. C'est maintenant Dieu, ce n'est pas dans le demain. Si Dieu doit agir, c'est maintenant qu'il doit agir dans ma vie. Donc quand vous finissez de déprogrammer, vous devez parler à la journée pour dire, vous êtes hérité de Dieu. Amen. Ce qui appartient, Dieu vous appartient. Amen. L'argent ne doit pas vous manquer. Dieu doit prendre soin de vous. Vous parlez à la journée, vous allez voir que des bonnes choses vont venir. C'est pour ça que quand vous lisez le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Amen. Amen. Je ne manque de rien. Donc quand tu déprogrammes la mort, il faut que la mort soit déprogrammée. Amen. C'est ça qu'il dit, le diable a échoué parce qu'il le maîtrise. Je maîtrise son système. Donc lui, il programme. Moi, matin, il déprogramme. Amen. Amen. Vous comprenez? Je le laisse travailler. Tu travailles. Moi, il m'en fout. Tu travailles quand? Moi, il me réveille. Tu as fini, non? Ok. C'est que tu as programmé. Moi, il veut dire, oh, monsieur, je déprogramme.
Qui est plus fort que ton camarade? Dieu. C'est moi. Mais ça fait de Dieu. Dieu est là en nous. Amen. Nous sommes des petits dieux. Je suis en train de nous choquer. Je suis en train de nous montrer quelque chose. Amen. Entre moi et Satan. Parce que moi, il représente Dieu. Amen. Je représente Dieu. C'est à moi que Dieu a donné le pouvoir de déprogrammer. C'est moi qui déprogramme. Or, Dieu est là, il me regarde. Si moi, il ne l'aime pas pour déprogrammer, Dieu regarde sa tâche. Vous m'avez bien saisi? Amen. Il regarde sa tâche. C'est nous qui devons nous lever dans la prière pour déprogrammer le système du diable. Les vieux guéris du village, on fait programmation. On dit, cette fille-là, il faut qu'on la mange avec le bas le soir, par accident. Ils ont déjà pépé manioc, du vécu du manioc. Ils sont gluants, c'est elle là. Maintenant, c'est la chair qu'elle cherche. Ils ont tendu piège. Toi, tu es là, tu ronfles. 4 heures te dépassent. 5 heures te dépassent. Tu te lèves. Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'as béni. Merci pour la journée. Tu n'as même pas déprogrammé. 10 heures, tu es mort. Amen. 10 heures, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas eu le pouvoir de la déprogrammation. On dit amen. Amen. Oh, Dieu t'a donné le pouvoir. La seule que tu dois faire, c'est de déprogrammer. Si tu ne déprogrammes pas, ce que le diable a programmé, ça viendra sur toi tranquillement. On dit amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Amen. Nous allons monter à Jérusalem. C'est chaud, hein? Vous trouvez une bonne bouteille glacée. Amen. Amen. Nous allons montrer à Jérusalem qui est convaincu de sa délivrance. Amen. Qui est